56. C'est le départ. On y va. Allez, on se retrouve là-bas. Ou sur la route. À tout à l'heure. Épisode 1 de 2 ou 3 épisodes. Donc là, je vous amène la semaine avant le départ. Toute la préparation qu'on a fait pour partir. Là, actuellement, on est sur la route. J'espère que la vidéo va vous plaire. Kiffer, parce que moi, en ce moment, je suis en train de kiffer. On va aller bouffer du sable. On va aller bouffer du sable. Allez, passez une bonne vidéo. Et à la fin, lâche un petit pouce bleu et un petit commentaire en bas de la vidéo, ça fera plaisir. 1, 2, deux colis. Le premier FX Motor GoPro. GoPro. Alors, en premier, on a acheté un boîtier plus solide que celui d'origine. Vu que Léa s'est acheté une planche de surf, on a acheté des attaches pour le surf, des vitres de rechange pour le boîtier. Il y en a une vide pour pouvoir toucher l'écran tactile et une de rechange comme celle qu'il y a, donc pleine. On a acheté plein de petites fixations. Tac. J'ai pas vu qu'on avait reçu. C'est donc ces attaches qu'on met sur les fixations. Et celles-là, elles sont top. Parce qu'on a une sécurité en caoutchouc. Hop, là, elle est mise. Ça permet que les deux petites pinces là se referment pas pour pouvoir s'enlever. Du coup, ça fait une sécurité en plus. Ça, c'est... Et ça, je sais pas encore où ça sert, c'était dans le truc du surf. Premier colis, passé. Deuxième colis. Bon, celui-là est tout petit. Alors, FX Motor, ça concerne pour la moto, pour ça. Alors, le premier, alors ça, c'est une chaussette. Je vais ouvrir. Donc voilà, donc ça, c'est quand pour mettre le casque. Une chaussette qui se met par-dessus le filtre à air. Du coup, ça augmente la filtration et pour le sable, c'est primordial. Et encore pour la filtration. Alors ça, c'est donc Twinner qui sort ça. C'est une pâte qu'on vient mettre sur le rebord du filtre à air pour jointer le filtre à air à la boîte à air. Du coup, ça augmente encore la filtration, donc diminue le risque que le sable passe dans la boîte à air. Prochain colis demain. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. À ce moment-là, Léa amène le camion au garage pour faire une petite vérification avant le départ pour que tout soit prêt et qu'on n'ait pas de problème. Il n'y a pas le permis. Je vais aller récupérer un pneu sable chez Léo. Et bah du coup, je vous emmène avec moi, c'est parti. Bon, je vais chercher le pneu. Allez, c'est là. C'est moi. Bon, c'est ça qu'il lui faut alors. Exact. Les gars, on se démonte la roue arrière, parce que comme vous l'avez vu, Léa est partie me chercher un pneu sable chez Léo, un Rinaldi, parce que je pense que vous en doutez, on roule pas avec un pneu cross dans le sable. On démonte ça, on l'emmène chez notre copain, chez le magicien, Répaculture. Il amène juste la roue parce qu'il est débordé, il a du boulot par-dessus la tête. Donc pour pas trop l'embêter, je lui amène que la roue. Et puis voilà, moi ça arrange tout le monde. Je vous amène avec nous, et puis on démonte ça et c'est parti. Les gars, je l'ai mis. Je l'ai suspendu avec les sangles. Pour la simple et bonne raison, parce que là je vais démonter du coup la roue arrière. Et vu qu'après je vais la vidanger, avec le trépied c'est pas possible. Du coup là au moins elle sera suspendue en l'air. Et je serai bien pour la vidanger tout simplement. Allez, du coup, on retourne aux affaires, on démonte la roue arrière.
Bon, les gars, on se retrouve. Tu rêves à culture. Je le même time, je suis un sage, je pense que j'ai à apprendre. Et go. Bon, du coup, les gars, ça y est, on sort de chez Fabien. On a récupéré un petit poignet d'un voyage, de l'huile pour se vidanger la boîte. Du coup, on repart, on se vidange la moto et on continue les préparations. Bon, salut les gars. Donc aujourd'hui, je me filme avec la GoPro parce que Léa travaille. Et je me filme parce que j'ai reçu un colis. Donc voici le colis. Ça vient de chez Darty. Je suis hyper content, c'est arrivé hyper vite. Je l'ai commandé lundi soir. Boum, deux jours. Voilà. Et bam, petite perche stabilisatrice de chez Zhiyun. La Smooth 4. On s'ouvre ça. C'est pas mal, hein. Alors ici, on a la perche. Alors, j'ai pris cette perche parce que tout d'abord, elle a une application avec qui est juste top, avec toutes les fonctionnalités de la perche. Elle est géniale l'application qu'il y a avec. Et en plus, cette perche est dotée d'un trépied. Donc ça, c'est juste hyper cool. Hop, allez, je la sors, je regarde si elle a de la batterie et je vous montre ça tout de suite. Donc là, voilà, donc là, j'ai juste mis, je coupe. Mon téléphone, on sera celui de Léa, avec la perche. Donc ouais, elle se sent trépied. Regardez juste, je vous montre juste, attendez, je la dévisse. Regardez-moi cette technologie. Regardez. Donc il y a deux fonctions. Là, je suis sur la fonction où la caméra suit mon mouvement. Et la deuxième fonction, donc on a un petit bouton juste ici, là. Clac. Et là, la caméra ne va pas bouger du tout. Regardez, elle suit l'angle. Et là, on peut bouger. C'est juste impressionnant. Enfin, moi, je trouve ça impressionnant. On est équipé niveau matos pour filmer. Et on continue de se préparer pour le départ de samedi matin. Bon, les gars, vu que le sable, c'est physique, perdu pour perdu, on sort un peu en vélo. On fait tout ce qu'on peut pour être. Pour essayer de faire au moins un tour sur le terrain, quoi. Allez, aujourd'hui c'est du col. Enfin, aujourd'hui c'est la seule fois, je crois. Je crois que c'est mort, patron. Elles font trop mal aux mains. On va au magasin. Allez hop. Une petite paire de poignées toute neuve. On se monte ça. On enlève les donuts, on les garde. C'est pas plus beau quand même. Bam.